Et bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de cette série sur Company of Heroes 3. On se retrouve donc pour continuer notre petite partie. On va afficher juste un petit truc. Ok, c'est bon. J'ai tous mes réglages, c'est parfait. Hop. Alors donc oui, comme je le disais, bah du coup je reprends la campagne de la fin de mon épisode. Donc vous n'avez pas vu effectivement, bah, je vous ai montré hein, rapidement ce qu'il y avait à voir. Donc du coup. J'ai un nouveau tour, donc là je vais aller prendre ce point-là. Voilà, ça va me donner des missions. En gros, je l'avais dit, moi mon objectif avant de continuer, c'était je voulais sécuriser un petit peu cette zone. Voilà. Faire le... Bah, déjà, c'était en rouge ici. Je vais faire la liaison avec ça. Je pense que je vais continuer à essayer de prendre toute cette zone-là, et puis après on va voir par où on avance. Donc. Ok, bah ici on peut faire une autre mission là. Je les ferai par exemple force. Okay. Je les ferai peut-être pas toutes, hein. Tantôt on fera de l'autorésolution. Là, comme c'est le début, bon, je vais en faire quelques-unes quand même et puis on va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'avais des points de talent à faire que je n'ai pas à déplacer. Tant pis. Base militaire de Palm Spring. Mon cher Tony, j'espère que cette lettre te parviendra sur le plancher des vaches et non sur un bateau. Quand tu pourras, dis-moi, tu te trouves bien, tu dois te rendre ensuite. Voilà longtemps que j'attends de pouvoir t'écrire cette lettre. Cela fait 6 mois que je demande à papa et maman de ne pas t'en parler dans leur lettre car je voulais être la première à te l'annoncer. J'ai réussi mon dernier test de vol. Je suis devenu pilote de transport pour les Women Air Force Service Pilot, ou WASP, en poste à Palm Spring. Je peux apporter mon aide tout comme toi. Lorsque tu recevras cette lettre, j'aurai déjà accompli ma première mission et je pourrai me trouver n'importe où aux États-Unis. Ta sœur qui t'aime, Ida. Lettre pour l'ambiance, quoi. Ah ok, là on est sur une mission escarmouche, tout ce qu'il y a de plus classique quoi. Ok, ça va être plus tendu là. Ok, bah, let's go hein. Alors, STR, c'est pas là où je suis le plus fort. On va voir de quoi je suis capable en affrontement direct contre une IA. Les points qui sont par là. An infantry section is. We have heavy mortar support on the field. One of our reconnaissance vehicles hit a mine while scouting behind enemy lines. The crew had to fall back before they could destroy the radio. Recover that vehicle before it falls into enemy hands. Ah ouais, d'accord, les véhicule leur balance M6 explosif par là. Non, 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 mais non, les gars. Vous pouvez pas. Bah, allez-y, mais vous allez prendre cher. Hein. Allez, on se casse. Bisous. Hop, vous allez prendre ce point là. Domine pas le champ de bataille, mais on va y remédier tout de suite. Ça, on peut balancer où on veut, hein, d'accord, ok. On va commencer à mettre une mitrailleuse par là. Come on, ladies, while we're young.
nous, c'est pas à nous ça, c'est à nous. Ils sont en train de nous prendre ce point là. C'est là que ça va être plus dur, c'est d'établir des défenses en fait. We're losing a munitions point to enemy action. Heavy machine gun and crew are ready for orders. Les gars, c'est là qu'il faut aller, hein. Déploie vite et let's go, on allume. Allez, on récupère ça tout de suite. Parfait. On replie. Au moins, on va essayer déjà de défendre des têtes de pont comme ça, ça va être pas mal. J'ai besoin de mes sapeurs. Où sont mes sapeurs? Alors, on va les donner un lance-flamme, ça va être bien. Là, je crois que j'ai une autre unité de mitrailleuse qui s'est montée. Okay, bah, qui est là. Au moment, ça me va. On va aller sur ce point là. Ok, avantage. Ok, ici de toute façon ils sont obligés de... on peut pas prendre le point, il faut vraiment une zone centrale, donc on va essayer de se recentrer. Ok, donc en fait non, peut-être que les escouades peuvent passer par là, donc on va les défendre ici plutôt avec une mitraillette. Comme ça, plus ouvertement. Merdoum, j'avais pas vu. Repli. Ici on va rapidement se replier aussi, en tout cas se mettre par là. Marching is
tout. Je viens de demander un bombardement sur cette côte là. We're making progress. The enemy is down to 200 points. Grenade, take cover! Orders received, Gakali, head out! Those troopers will learn we are Gakali! We are losing territory. An HMG crew has been lost to enemy action. Ok, ils envoient du monde. Capture point is being contested. Bon, manque je vois ce que je peux construire d'autres en troupes. Parce que là, c'est un peu compliqué. Améliorer mon campement. Un t-shirt, ça c'est pas mal. On va venir se concentrer par là. Je crois que du coup la mitraille, je l'ai perdue parce que je pensais qu'ils pouvaient pas passer, mais en fait bien sûr que si, ils peuvent passer. Là ça va bombarder. Là, ok. Ici. Continue de défendre le point. Le problème c'est que on n'a pas d'autres soutiens, donc il faut que j'envoie eux. C'est pas eux. C'est tombé tout vert et fusil anti-char plus ici. The enemy have taken our territory. Crowds are bombarding our front line. Take cover. Et je pense qu'ils vont venir prendre ce point. Vite, 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 balance ton truc. Oui. C'est bon. Wow, c'était chaud. Oui. C'est dur d'être sur tous les fronts. Pas assez de ressources, punaise. Jerry's on the back foot now. 100 points left. On est quand même en train de gagner, hein, mais bon. Un sniper ou quoi? Allez, bisous. Oh punaise. Ça, ça fait mal, anti-infanterie, anti-aérien, surtout anti-infanterie pour le coup. Là. On poursuive. Oh, hop, 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 hop.
probablement les perdre hein, ces unités là, mais je voulais essayer de récupérer l'objectif secondaire. Mais c'est chaud hein. Allez, vous êtes courageux les mecs. Je suis pas sûr qu'on le ramène à la base. Hein. Non. On va dire que ça les aura occupés le temps qu'ils finissent de perdre. Bon, normalement on a quand même gagné, mais c'est des escarmouches très rapides, hein, faut pas traîner. Hein. Ok, bon bah c'est une victoire. Objectif bonus accompli. Ok, je considère qu'il est accompli. Bon bah super. Oui, j'ai pas vu la réponse, c'est vrai. Ma chère Ida, on a enfin débarqué en Italie, de retour sur la terre ferme. Après la cible, on avait tout ça de continuer sur la plage. La bataille était rude, mon bataillon de Sibis a passé une éternité à nettoyer le foutoir qu'ont laissé les Albans. Si on ne commence pas par ça, on ne peut rien faire d'autre. Aucun de nous ne pensait que ton hobby finirait par servir l'effort de guerre. Nous étions d'accord pour que tu voles, mais là, ça devient trop dangereux. Avec les frangins, on pensait que tu resterais à la maison, se bat tous dans cette guerre pour que tu sois en sécurité. Et tout mon amour, Tony. Petite correspondance. Tort en escarmouche. Donc la ville va normalement tomber. Peut-être au tour prochain, je ne sais pas trop. On a 5 points de talent. Alors effectivement, donc je leur avais pris observateur avancé. Ils peuvent faire appel à des barrages d'artillerie, c'est ce qu'on a pu voir. Cri de guerre pendant toute la durée de l'activation augmente la vitesse et la capacité offensive de toutes les sections d'infanterie et force les ennemis dont la santé est basse à se replier. Ok, c'est pas mal. Et l'unité de mortier lourd est là. Permet aux mortiers d'envoyer des barrages incendiaires et d'augmenter le nombre de projectiles de barrages détonants de 2. Pas mal aussi. Après au niveau des améliorations aussi, c'est pas mal ça. Infanterie 20% plus difficile à toucher. Véhicule commence avec au rang de vétéran 1. En section d'infanterie au Gunka de demander des barrages de fumée roulant. Ouais. Placement artillerie tire 2 obus supplémentaires pendant les barrages. La compensation à la dispersion des obus. Ok, moi j'étais des sections de 1, 25% le coût de toute infanterie, c'est pas mal ça. Diego K confère des ressources qui est 2 unités ennemies, pas mal aussi. On va prendre bravoure déjà. Pillage est pas mal aussi, mais c'est pas le mieux, mais de toute façon il faudra bien. Et c'est ici qu'on débloque les nouveaux achats de troupes également. Par exemple là je pourrais acheter des unités de mortier. Bon après j'en ai qui arrivent par défaut donc c'est pas urgent. En ressources, pas tout acheter là. Et en compétences, on va peut-être acheter le cri de guerre. Éclairantes sont pas rachetées sur la première ligne afin de tenir une ligne de mire. Allez, on va prendre tout ça, ça va être pas mal. Bien claquer nos points. Moment est pas mal, je pense. Ok, et eh ben let's go, fin du tour. On va y prendre absolument cette ville. Replier un peu. Là devrait tomber facilement. Our men have taken control of Alta Villa, giving us the perfect vantage point if the Germans are foolhardy enough to try to counterattack. We've been given our orders. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ready with the knives.
côté de l'ennemi, les forces ennemies. Ouais. Soigne, oui, on va soigner un peu. Voilà. Gérer le cuirassé, qu'est-ce qu'on peut envoyer? Une compagnie de blindés. Non, on peut pas. On a atteint la limite de population, comme ils disent, donc on peut en faire plus. Salerne, qu'est-ce que je peux y faire à Salerne? Rien, on peut pas ajouter des défenses. Non. Et l'aérodrome, on peut faire des survols de reconnaissance ici. On va en faire un autre par là. C'est l'avion en ressources. On peut pas débloquer le bombardier ni l'avion de chasse. Ok. On va envoyer un autre ici? Si. Ouf, ok, qui arrive effectivement. Ouais, fin du tour, hein. Je pense que de toute façon ils vont attaquer Salerne. Assez puissant et avec eux. Avec eux non plus, hein. Disons de Panzer en escarmouche, ça va être tendu quand même. Hein. On va tenter. Bon, je vais pas lire toutes les lettres, hein. C'est bon. Je les avais devant vous, si vous voulez lire. Captain, the ISC has been upgraded. Listen up, men. The enemy is holding three key locations. Our goal is to capture and hold all three. Just keep in mind, the Krauts are probably going to try to do the same. Coordinates marked. Eh ben, ça va être chaud. Je pense pas que je vais y arriver, hein. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, hein. Ok. Ouais, ça on va le prendre tout de suite. Centre opérationnel aussi. Ça on va le prendre. Ça on va le prendre. De commando, vol de reconnaissance. Un vol de reconnaissance, j'en demanderais bien quand même. La troupe qui arrive par là. Treuse lourde qui va aller ici.
préparer et ériger des défenses. Ok. Pour ici là M29 Weasel is Krauts have got one of their best snipers in the area. The partisans have located his usual spots, but we have to flush him out. Get those MG moving on. Tiens, d'élite vétéran. Location capture. We're ready. Reversing fire! Make it quick! Come on! Look up! Easy to lead them into battle. Ça. Une mitreuse là-dessus déjà. Ok. Pas mal de petites pauses hein, de retour parce qu'il faut que je regarde où j'en suis au niveau ressources. Faire un garage ou un dépôt de char même. Un garage sera déjà pas mal parce que le dépôt de char ça coûte assez cher. J'ai plus avoir assez de ressources pour le reste. Hein. Bon. MG waiting on you. Eager, that's Jerry territory. Well, MG waiting on you. Get it done. Why am I always carrying a gun, huh? Captain here, what have you got? Bien surtout servir à faire des défenses. C'est un internet entre deux bazookas et deux fusils mitrailleurs. Ok. Si j'ai deux points, franchement, après je défends, ça me va bien. S'il y arrivait. Parce que lui. Il est bien. Enemy down to 250 points. Repeat 250. Si je déploie un mortier, ça me déploie l'unité, mais il faut. D'accord, le mec il le balance comme ça, quoi. C'est tiens, démerde-toi avec ça. C'est cool ça, mais il manque des troupes, quoi. Let's advance. Keep an eye out for Jerry. Can't stand around all day. Let's get moving. Stay low. Il me faudrait du canon anti-char, quoi. What's our target? Rifleman, ready! Uncle Sam sends his regards. Get on. Grab that mortar, fellas. Let's tackle the Germans. Capturer et libérer des véhicules. Ok. Capturer des territoires plutôt. Sniper, il est par là. Je serais bien aimé le faire, le sniper, mais.
Les commandos peut-être? Tester hein. Pour moi c'est nous qui avons le plus de points donc on est avantagé mais. Combien de temps? On va bombarder non? Ouais, vous savez quoi, prenez-le le point, tant qu'à faire. On peut faire un garage, ça c'est bon. Il y a un moment où ils vont débarquer leurs blindés, hein. Ok. Reconnaissance. Sagesse, eux ils vont les prendre ce point là. Déployer une unité qui va aller ici. All riflemen, the crowds are bombarding our front line. Take cover. What do you need? We're moving out, fellas. Attention parce qu'on a eux et eux, faut pas qu'on se rate. We're moving out. A strategic point is being claimed. Calmez-vous, calmez-vous, ok vous. Ah. Là. Ok, non, ils foncent vraiment chez nous, on dirait. Par contre, faut être patient avec ça quand même. Ici. Eux ils vont pas tarder de sortir. Par là. Ok, méfiez-vous, là ça arrive. Rifleman squad deployed. Rifleman reporting, commander. The enemy is moving on our strategic point. Ils ne prennent pas alors, je comprends rien. Ok, donc ils sont en train de le prendre finalement. Par contre. Moi c'est une idée. Let's give him a hand. No question that. Fan out and keep moving. Secure that sector. Keep a low profile. Oui, éliminer le vétéran, ok. SSF, move out. We're losing a strategic point. J'allais voir là-bas ce qui se passe. Ok, là on est en train de les allumer. On va recommencer. Par contre ici, ok, là c'est un peu plus le bordel. Là, on se fait prendre. Ah.
enemy have taken territory from us. Your own goddamn tough. Spread out on that area and hold it. Get on with... Move! 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 Rifles have arrived. Je sais pas où il est leur vétéran dans le secteur là-bas. Par nous larguer des fumigènes, ils font pas grand chose. Ok, on se casse, on se casse, on se casse. Commando. C'est juste les faire chier. On va essayer de les soutenir un peu. Artillery barrage underway. Enemy down to 75 points and falling. Ok. Bon, je sais pas où il est leur tireur d'élite, hein. On les a défoncés, hein. Bon après c'était pas... Je m'attendais à plus agressif, mais bon. Impeccable. Objectif bonus accompli. Je comprends pas l'objectif bonus accompli alors que je l'ai pas accompli en fait. Bon. En tout cas, on a bien géré. C'est cool, ça fait plaisir. J'attendais à me prendre une petite raclée et tout, mais non, ça va. Hop.
peu en escarmouche, effectivement. The men have held off the German counterattack on Salerno. Jerry will need to try harder than that in the future. Parfait. The area around Salerno is secure and the crowds are pulling back. We need to push forward and keep up the. Alors, on peut avoir un avion de transport à l'aérodrome de Salerno, plus 400 de munitions et plus 100 de carburant. Livraison d'artillerie britannique à Salerne par chaise d'unité aéroportée américaine près de Salerne. On va prendre de l'artillerie britannique. Sir, the Allied landing at Taranto met with little resistance, and our forces are establishing a secure presence in the region. Ok. Bon, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'il est suffisamment long. Oui, 40 minutes passées. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite sur les jeux du cygne sur Compagnie of Heroes 3. Bye bye tout le monde!